Et bonjour à tous, et bienvenue sur une nouvelle vidéo sur Assassin's Creed Unity pour l'épisode 19 partie 2. Voilà, alors j'ai coupé en deux parce que voilà, c'était trop long, je vous l'ai dit dans l'épisode dernier. C'est parti. Les poignards, le fanatisme, poison, l'athéisme, peuple, du fanatisme, du poison, de l'athéisme, tremplent leur complot sacrilège. Armés, tour à tour, des poignards du fanatisme, des poisons. Hop, on fouille. Peuple, ne craint plus leur complot. Peuple, ne craint plus leur complot sacrilège. Ils ne peuvent pas nous arracher. Voilà. Peuple ne craint plus leur complot sacrilège. On attend qu'ils avancent. Peuple ne craint plus leur complot sacrilège. Peuple ne craint plus leur complot sacrilège. Assommer les gars qui... Oh, oh, il joue toute la boîte. Ok. Putain. Voilà. De l'ergot en poudre. Cela provoque des hallucinations. Il aura l'air d'un démon. Il ne nous reste qu'à lui donner l'air dangereux. La liste de noms. Il faut qu'elle tombe entre les bonnes mains de manière anonyme. Si l'on nous repère, Germain sera sur ses gardes. Je m'en occupe. Laisse-moi faire. Allez, parlez. Respire Perrault sur la liberté et la clémence, alors que l'on guillotine des gens par milliers. Une sous la mort. Malgré toutes ces horreurs, les rois comptent. Tant qu'ils condamnent les étrangers. Attendez qu'ils s'attaquent au monde. Par la superstition, pour l'associer à leur forfait. Ils s'efforcent de la bannir de la terre pour régner. Je vais t'écraser la Troie et me servir de ta langue comme cuir à polir les lames. Va bien. Ne crains plus leur complot sacré. Il y a de l'animation là-bas. Ils ne peuvent pas faire le monde du sable et du montage. Je le remarque dans. Heureusement que je me suis défendu, hein, mais bon. Ça veut pas. Voilà. Tu peux lier ta vie passagère à Dieu même et à l'immortalité. Que la nature reprenne donc tout son éclat et la sagesse. Ton empire, l'être suprême, n'est point anéanti. Soyons ardents et opiniâtres dans notre colère. Ah, deux fumigènes, cool. Imperturbables dans les dangers, patients dans les travaux, terribles dans les revers, modestes et vigilants dans les forfaits. Ok. Soyons généreux envers les gens, compatissants envers les malheureux. Infortunés, redressez vos fronts abattus. Vous pouvez encore impunément lever vos yeux vers le ciel. Ne nous reposons que sur notre conscience. Quelqu'un a eu la peau de. Soyons graves et discrets dans nos délibérations. Comme des hommes. Conduite inconvenante, moi.
Mais pour qui diable Robespierre se prend-il? Il est sans doute jaloux de vos succès. Tout son éclat et la sagesse. Qu'y a-t-il, monsieur? L'être suprême n'est pas vermine de ces trousseurs. Peuple, ne crains plus leur complot sacrilège. Ils ne peuvent pas plus arracher le monde du sein de son auteur que le remords de leur propre cœur. Homme, qui que tu sois, tu peux concevoir encore de hautes pensées de toi-même. Ne comptons point sur une prospérité sans mélange, et sur des triomphes sans obstacles, oui. Ni sur tout ce qui dépend de la fortune ou de la perversité de lui. Ne nous reposons que sur notre constance et sur notre vertu. Soyons généreux envers les bons. Tu t'en vas ? Pourquoi ? Envers les malheureux, inexorable envers les méchants, juste envers tout le monde. Hop là. Regardez-le se pavaner sur le rocher. Putain. Eh, il me saoule. Quelqu'un va vous entendre. Mais quand bien même, Robespierre est populaire, il se fout d'argent. Adieu. Il ne peut rien mieux que ça. Monsieur, monsieur Détour. C'est bien, ils l'ont tué. Ne crains plus leur complot sacrilège. Ils ne peuvent pas plus arracher le monde du sein de son auteur que le remords de leur propre cœur. Ne comptons point sur une prospérité sans mélange et sur des triomphes sans obstacle, ni sur tout ce qui dépend de la fortune ou de la perversité d'autrui. Cela devrait faire bouger les choses. Infortunés, redressez vos fronts abattus. Qu'est-ce donc ? Vous pouvez en... Et voilà. Ça, c'est bon. C'est surtout la sagesse que nos coupables ennemis voulaient chasser de la République. C'est à la sagesse seule qu'il appartient d'affermir la prospérité des empires. C'est à elle de nous garantir les... Une liste d'ennemis de la Révolution? Elle comporte une cinquantaine de noms. Robespierre est allé trop loin cette fois. Le loup est dans la bergerie. Je plains les moutons. Et maintenant? On attend. Ça ne sera pas long. Lorsque Robespierre aura perdu l'appui du peuple, il ne sera plus utile à Germain. Et quand Germain l'abandonnera... Il sera vulnérable. Partons. Et voilà, enfin on a fini. Bon. Continuez du coup. Bon, bah, en fait, c'était pas trop compliqué que ça, en fait. Bah, il fallait juste bien savoir, en fait, parce que... Au début, c'est un peu chaud, quand même. Et puis voilà. Ah, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker ma page Facebook, mon Twitter. Et si vous n'êtes pas encore né à ma chaîne, vous pouvez vous abonner. Qu'est-ce que vous voulez? Et voilà. Tu me l'attention de votre part. Merci. Merci. Quelle attention de votre part. Merci. Ah tiens, merci. On va reprendre un peu. Bienvenue. Tout. Allez, vas-y. Toi, taillé. Oui. Voilà. Attendez, d'ailleurs, il n'y a pas. On a gagné deux trucs. Ok. Mission. Notre mission là, la chute de Robespierre. Ouais, à mon avis, ça je sais pas si ça dure longtemps pour essayer ça. J'ai pas envie que ça dure longtemps. J'hésite. Il nous reste. 20, ouais, 15. On va essayer. Alors attendez, par contre, faut que j'aille me déplacer.
C'est parti. Faut qu'on... Allez hop, on va à la mission. On va pour deux secondes. La chute de Robespierre, c'est parti. J'ai reçu ton message. Que se passe-t-il? Nous sommes peut-être allés trop loin pour discréditer Robespierre. Est-il arrivé? Il a été arrêté. Quoi? Apparemment, il aurait eu des menaces de plus envers des ennemis de l'État. Le comité s'est retourné contre lui. Ils vont le conduire à la prison du Luxembourg. Son exécution est prévue. Robespierre! Mieux vaut le voir avant. Il s'étouffe avec le sang de ton temps. Oula, je te pousse. Qu'est-ce qui a pu causer cette agitation? Il doit chercher à être... Ah, mais soit court ou marche ou je sais pas, mais... Allez. Des hommes de la garde nationale. Élise, de Robespierre. Que s'est-il passé ici? On a été pris dans une embuscade. Des troupes de la commune de Paris nous ont attaqués pour libérer nos prisonniers. Ils ont emmené Robespierre? Je l'ignore. J'ai été retenu par les combats. Ils se sont repliés, par là. Merci. Allez chercher un docteur. Oh. S'il est toujours prisonnier, la garde l'aura conduit à la prison du Luxembourg. Mais s'il ne l'est plus, il doit se terrer tout près d'ici. Robespierre ne pourra pas aller loin si la moitié de la ville est à ses trousses. Je vais inspecter la prison. Toi, suis les émeutes et essaie de trouver une piste. Entendu. Il est trop tôt pour paniquer. On doit d'abord découvrir ce qui s'est passé. Où sont-ils allés? Dans cette direction. Robespierre. Là-bas. Leur prier. Permis. Fuyez, monsieur. Nous allons les apprendre. Voilà. Allez. Hop là. Faut descendre. Filer. Souvenez-vous des combats avec Robespierre. Ah, quoi, rime tout sur la pile. Hop là. Il est su partout. C'est un truc de malade. Eh, monte. Oh.
Oh, j'ai de la chance. Dieu soit loué, vous êtes sains et saufs. On est tous derrière vous. Merci, sergent. Votre loyauté vous fait honneur. Mieux vaut rentrer, monsieur. Les soldats de la Convention vont arriver. Oui, bien sûr. Je remets mon sort entre vos mains. Voilà. Du fait de ces actes visant à protéger le criminel Robespierre, la commune de Paris est désormais en rébellion ouverte contre la nation. Les soldats aux ordres de la Convention nationale ont été dépêchés afin d'appréhender le traître Robespierre et ses partisans visant à protéger le criminel Robespierre. La commune de Paris est désormais en rébellion ouverte contre la nation. Les soldats aux ordres de la Convention nationale ont été dépêchés afin d'appréhender le traître Robespierre et ses partisans. Il est conseillé aux citoyens de demeurer chez eux jusqu'à ce que justice ait été faite. Sachez que le citoyen Robespierre, le citoyen Henriot et tous leurs acolytes sont désormais des hors-la-loi. Tout citoyen qui leur portera assistance partagera leur sort sur la vie. Merde, ils sont tous là. Je peux en mettre 12 des potions, wesh. C'est énorme. Oh.
es-tu? On est fait comme des rats. Ils tournent comme des mouches par ici. Mais putain. Non, 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 non. Oh putain. Non. Oh. 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 Me faire chier. Beaucoup trop lent. Allez, mais qu'est-ce qu'il fout à bugger là? Putain, je suis pas là pour ça. Il bug à mort. Je vais te rattraper. Je vais essayer de me distancer. Beaucoup trop lent. Tuez-le. Allez. Oh. Rien qui justifie la présence. La pire sorte. J'ai pris toute la garde. Là, je suis dans la merde. J'essaie de voir ça. Allez, mais qu'est-ce qu'il faut à chaque fois à bugger là? Putain. L'autre. Ah, tu vois, il faut que je le tue aussi. Ugh.
Merde. C'est là-bas. Ok, il y a tout le monde. On va se laisser se combattre là. Nickel. Là après là. Donc, désolé, ouais, j'étais en train d'observer autre chose. Bon, vous avez fini vos combats là? On va attendre un peu. Bien, encore. Allez. Bon, ils sont deux contre un, je pense que c'est bon, ils vont les niquer. Ils tirent sur moi, donc quoi. Putain, ça tire de partout. Ah, il en a bloqué encore. Lui, il est fort quand même. Donc, c'est bien, ils vont niquer ce soir. Allez. Il reste plus beaucoup de trucs. C'est bien. Après juste à lancer une petite flèche. Voilà. Tac là. Nickel. Hop, on fouille. Ah, 38 minutes déjà là. Oh merde. Bon, après il y a beaucoup de trucs à retirer. Ouais, oh, je pense que ça peut le faire. Ça bug un peu, on dirait. Rassemblement, il en manquait 5 autres. Si ça continue, la convention n'aura pas à tirer un coup de feu. Là, je pense que ça sert à rien. Par contre, cette porte, à mon avis. Voilà. Bon sang. J'ai fait prévenir Germain, voilà des heures. Trop con. Germain m'a mis en garde contre vous. Vous êtes l'un d'eux, n'est-ce pas? Un assassin? Plus maintenant. Où est Germain? Élise? Nous n'avons plus beaucoup de temps. Où est Germain? Jamais je ne parlerai. Ah! Alors écris. Ah! Oh! Défoncer un mâchoire comme ça, wow, ça fait mal. Oh putain! Le temple. J'aurais dû m'en douter. Profitez bien de votre justice révolutionnaire, monsieur.
Emparez-vous de lui. Et voilà, terminé. Enfin, tac, comme ça. Bon, ça va. Ça va, ça va. Donc, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker ma page Facebook, mon Twitter, ma page Facebook. C'est bon. Et c'est... j'ai tout dit. Ouais, j'ai tout dit. Je crois que j'ai oublié quelque chose, mais bon. Si vous n'êtes pas encore à ma chaîne YouTube, vous pouvez vous abonner. J'espère que j'ai oublié ça, voilà. Mais autrement, j'ai rien oublié. Donc ça, c'est bon. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut !